Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredj et bienvenue pour ce nouvel épisode de Golden Sun 2. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais organiser la suite, parce que comme forcément on est dans le dernier phare, en vrai là on est dans la route pour la fin du jeu, et je savais pas trop comment j'allais faire. Là en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ma mémoire est bonne, il y a deux djinns à récupérer dans le phare de Mars. Et donc je ne quitterai pas le phare de Mars tant que je n'aurai pas récupéré ces deux djinns. Donc je pense qu'on va aller jusqu'au moment où on récupère les deux djinns et la synergie téléportation bien entendu. Et après ça, on quittera le phare, on partira faire un petit peu d'annexe pour aller récupérer les éventuels djinns qui nous manquent. Comme ça quand on aura tout, après je verrai. Quand on aura tous les djinns, soit je fais une partie boss finale et après on fait les boss annexes, soit je fais les boss annexes avant. Je sais pas, honnêtement je ne me suis pas encore décidé. Et puis bon, je dirais dans l'absolu, c'est pas très grave. Donc, la première téléportation, je l'ai pas encore. Donc, on va continuer par là. Tac, tac, tac. Alors, vous m'avez dit aussi un truc que j'avais pas évoqué parce que j'avais pas envie de le tester en fait, mais je vais quand même le signaler, ce qui est vrai hein. Si on peut accéder à des classes spéciales en associant certains djinns, plusieurs djinns élémentaires à un même personnage. Donc bon, maintenant je sais plus le détail, mais c'était du genre, si on associe un certain nombre de djinns de Jupiter et d'un autre élément au personnage de Vlad ou de Pavel, on accède à une classe particulière, etc, etc, etc. Donc voilà, bon, c'est pas un truc que j'ai envie de faire pour une raison toute bête, c'est toujours la même chose hein, c'est que ça baisse mes stats, voilà. Donc j'ai pas envie. Alors même si les classes effectivement sont sympathiques, je vous laisserai découvrir ça si jamais ça vous tente. Mais là je vais rester classique pour ce let's play. Surtout que ça fait un petit moment qu'on est sur Golden Sun et il va bien falloir à un moment donné qu'on arrive à la fin. Donc on va éviter de trop se disperser. Première porte, deuxième porte. On va commencer par la première. Voilà. Alors, du feu, tac, 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 ok. Donc j'imagine que la porte de gauche va m'amener dans la zone juste au-dessus. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai la musique du... Avant de commencer l'enregistrement là, j'ai la musique du phare de Vénus dans la tête à chaque fois. Le tin. Alors qu'on en est plus là du tout, mais bon. Allez, vas-y. Tac, par de l'autre côté. Voilà. Ah, ta 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 ta. Fail. Voilà. Allez, deuxième round. Oh mais non, allez. Voilà. Alors là on attend. Non, c'est une bonne idée. Voilà, il va être bon. Ok. On prend pas de risque, on se met là. Non, mais non, mais non. Voilà.
Hop. Encore d'un cran, j'ai le temps. Et même de deux, j'ai le temps. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Voilà. On est bon. Alors, là, il y a un chemin. Et là, il y a une porte. Porte qui mène à un combat, si vous voulez. Porte. Bon, là, ça m'a l'air de continuer. Alors, on va voir. Là, il faudra le faire exploser. Il faudra le faire fondre. Ok. Et là-haut, j'imagine que c'est peut-être un moyen d'accéder à l'autre côté de la tête du dragon pour faire fondre la glace. Ok, alors, touc, on va dire comme ça et comme ça, voilà. Ok. Non, mais non. C'est pas ça, c'est ça. Ok, alors juste un truc, tiens. Est-ce que si je renvoie une boule de feu, ça peut pas faire exploser la glace? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse la synergie exploser? Ouais, bon d'accord. On fera la synergie exploser. Pas de problème. Alors, tac. Tac et tac. Ah, des phénix. Alors on m'avait dit que les tuer avec un gîte de mercure ramenait plus d'expérience. C'est bien possible, mais bon, écoutez. C'est pas grave. Alors, niveau 35, c'est bien. Niveau 37, niveau 35. Et Pierce n'a pas pris de niveau, c'est pas grave. Ah, d'accord. Alors, la finalité téléportation, c'est pas pour tout de suite, donc on continue. Alors là, c'est pareil, il va falloir arriver de l'autre côté, donc... Non, c'est pas très compliqué d'arriver de l'autre côté, il suffit de faire ça. Très bien. Niveau 37, super. Ok. Alors, une porte, deux portes. Bon. Ok. De l'orica. Ouais, ouais, ouais. Bon, pour l'instant, les trucs à forger. Je sais pas si j'irai reforger des trucs, très sincèrement. On verra.
Y'a pas un passage là? Non. On aurait pu croire qu'il y avait un passage secret là. Alors. Hop. Ok. C'est qui a enfoncé déjà? C'est toi, hein? Ouais. Heureusement que le fait d'utiliser une synergie arrête le temps. Hein. Ah non! Aïe. Allez, ça passe! Ouais! Ça passe. Ok. Ok, alors. Aha! Un djinn! L'un des premiers, c'est bien. Enfin, l'un des deux. Tac, tac, tac. Après, là, si je descends. Ouais, mais non. Tac, 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 tac. Ouais. Ouais, j'arrive, fais voir. Tac. Ouais, j'arrive comme ça. Mais comme... Ah, oui, bah non. Attendez. Tac, hop, après j'étais parti par là, j'avais dit c'était pas bon, donc ça, ouais, mais là ça m'avance à rien, tac, là je suis pas plus avancé, Je vais essayer un truc, mais pour l'essayer, faudrait que je puisse revenir. Voilà, là. Est-ce que à tout hasard. Voilà. Ok, c'est bon. Tac, 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 hop. Tac, tac, tac. Coucou! Pas mal. Allez, assoye. Et il est encore là, le petit. Hein. Bon, je pense que quelques attaques devraient suffire. Voilà. Alors, boum, donc normalement il me manque plus que un djinn de chaque, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, hein. Ressuscite tous les alliés, bah c'est bien ça. C'est même très bien en fait. Ok, super. Alors, et là j'imagine que je vais pouvoir avoir la synergie téléportée. Ouais. Kinesipsalis, alors... Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve que c'est le genre de synergie qui irait très bien à Ivan. Donc, téléport. Voilà. Donc à partir de là, maintenant qu'on a cette synergie, on va pouvoir téléporter un peu partout. Hein. Du coup... là-haut, il n'y avait rien, hein. Non, je me rappelle plus. Non, il n'y avait rien. Ok, donc on va devoir aller dans la salle où il fallait utiliser vision, puis utiliser la synergie téléportée. Oh, il va falloir se retaper l'énigme, vous êtes sérieux?
Il va falloir se retaper l'énigme. J'ai l'impression que oui, hein. J'ai l'impression que... Que non. Ok, super. Voilà, vite fait, bien fait. Alors... Ok. Est-ce que je descends sur l'interrupteur ou est-ce que je descends les escaliers? Ah! On va descendre sur l'interrupteur. J'imagine qu'il faut arriver avant le truc. Ah, le temps s'arrête pas là. Arnaque. Arnaque. Vite. En haut. Ouais, c'était le bon chemin. Allez, vite, 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 tac, 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 tac. Alors, on va dire que là, c'est en haut aussi. Je sais pas pourquoi il faut arriver avant, mais on va essayer d'arriver avant. Ah oui, d'accord. J'ai compris pourquoi il fallait arriver avant. Nananananer, tu ne mourras pas, nananananer. Allez, vas-y, défonce tout. Attendez. Le feu est arrêté, on est bien d'accord. Est-ce que je peux pas aller récupérer le coffre là, à tout hasard? Non, il fallait passer par là-bas pour récupérer le coffre. Ok, d'accord. Bon, ben on verra plus tard, j'imagine que j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors là, on peut se téléporter. Mais avant de se téléporter, qu'est-ce qu'il y a par là? Là on est tranquille maintenant. Ok, là on peut descendre et ça mène nulle part. On va quand même juste vérifier. Ouais, ça mène bien nulle part. Ok, c'était la salle si jamais je me prenais la boule de feu et que je tombais, j'imagine. Ok, d'accord. Ok, parce que j'imagine que la synergie téléportée va me téléporter là-bas. Ok. Hop. Ah, d'accord. C'est pas ce qui était prévu, mais d'accord. Donc, tac, tac, tac. Là, là, hop, 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 hop. Oh, une lame solaire. C'est pas l'épée qu'il avait dans le 1, c'est la lame solaire. Lance Megiddo. Alors ça, c'est... On va donner... Ouais. Alors, le truc c'est que je peux pas pour l'instant me l'équiper parce que j'ai mon épée obscure. Mais je pense que j'irai me faire exorciser pour la lui mettre, vu qu'au final elle fait les mêmes dégâts que l'épée obscure et peut-être qu'elle est. La Megiddo est peut-être plus puissante que Acheron. Donc on fera ça. On fera ça, on fera ça. Hop, hop, hop. Et là, on peut que tomber. Ok.
peut-être me soigner quand même, parce que mine de rien. Voilà, je suis pas full life, on sait jamais. Donc là, il me manque plus que le jean et on est bon. Et on est bon, on est bon. Ah, vous le sentez le boss là? Vous le sentez le boss que je vais dégivrer? Bon, bah. Ça va pas aller jusque là-bas, si? Ah oui. Allez, je suis prêt! Est-ce que ça va suffire? Allez, à nous deux. Alors, voyons, on va commencer par la modifier pour tester Dracoflamme. Ouais. Débilité, tiens. Il y en a un qui est plus gros que l'autre, je sais pas si c'est normal. On va augmenter l'attaque... Non, la... on va augmenter la résistance du groupe. Et l'attaque de glace devrait être pas mal. D'accord, pas d'effet. Alors, voyons. La musique est bizarre, on a l'impression qu'on affronte vraiment un truc énormissime, quoi. Ok. Pas d'effet sur Vlad, c'est très bien. Bon bah écoute, on va continuer comme ça. Toi, tu vas... Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave. Allez, bon, booster l'agilité, vas-y, même ça sert pas à grand chose. Toi, tu vas faire plasma, et toi, tu vas y aller comme ça. On va réessayer, tiens. Quoi que non. Bloquer la synergie, ça me semble mieux. Parfait. Continue avec l'Odyssée. Toi, tu vas utiliser très bien les dégâts sur le groupe. On va faire ça. Toi, tu continues avec Plasma. Et toi, tu vas geler un ennemi et diminuer sa défense. Pas gelé, la défense n'est pas diminuée, mais c'est pas grave. Bon, bah, s'ils me font que des trucs qui ont pas effet, y'a pas de soucis, hein. Allez, continue avec l'Odyssée. Toi, perce la défense. Invoque les zombies pour attaquer, tiens, c'est rigolo ça. Hop, et alors, réduit la résistance, restaure les PV, fait un bouclier d'eau, accroît les forces naturelles des alliés. Ouais. Pas mal, pas mal. J'ai bien fait d'augmenter la résistance juste avant, hein. Paralyse. Paralyse 2. Ouah.
restaure les PV avec des herbes. Et il est pas paralysé, hein, dites donc. Ça n'a pas d'effet, tu ne peux pas bloquer ma synergie. Bon allez, soyons fous. On y va à fond. Et pas mal du tout. Et le gros est toujours en vie alors que j'arrête pas de l'attaquer depuis le début. Il doit avoir pas mal de points de vie quand même. Je vais faire ça. Toi, tu... Ah bah non. Non, non. Toi, tu fais Odyssée. Toi, tu as encore ça. Alors, tu l'utilises. Toi, tu continues avec Plasma. Et toi, tu vas utiliser... Où est-ce qu'il est? Voilà, baisse le temps de repos des djinns. Voilà, très bien. Et puis allez, vous savez quoi, on va y aller à fond. Allez, ça va être rigolo. Entrave l'agilité des ennemis. Et vas-y que tu boostes l'agilité du groupe. Et vas-y que tu augmentes la résistance du groupe. Et vas-y que tu bloques la synergie de l'ennemi. Et avec ça, ils a... Bon, ben, il m'a... Voilà. J'allais dire, si avec ça, ils arrivent à attaquer avant moi, et eh ben, ils arrivent quand même à attaquer avant moi. C'est fou, quoi. Bon, apparemment, c'est pas de la synergie. Alors, tu vas immobiliser un ennemi avec la gravité. Toi, tu vas prévenir les dégâts du groupe. Toi, tu attaques avec des bourrasques. Et toi, tu réduis la résistance adverse. Même pas mal. Ah, ridicule. Alors, tu vas attaquer l'ennemi avec la force de la terre, enfin, je vais aller dans les PV. Ouais, booste la défense du groupe, tiens. Toi, tu vas booster l'attaque des alliés. Toi, tu vas voiler la vue de l'ennemi, ça pourrait être sympa. Et toi, tu vas restaurer les PV, mais est-ce que tu as pas... Non. Bon alors non, tu vas créer un bouclier d'eau. Ça devrait être pas mal, le bouclier d'eau pour des attaques de feu. Pas mal du tout, il vient de réinitialiser tout ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Voyons.
C'est celle qui me soigne, hein, donc c'est pas forcément intéressant. Donc tu vas continuer, tu vas attaquer un ennemi, je sais pas. Toi, tu vas attaquer avec la force de Mars. Toi, j'ai bien envie de te faire utiliser Eclipse. Allez, Eclipse. Et toi, tu vas geler un ennemi et diminuer sa défense. Dragon contre dragon! Voilà! Allez, frappe. Frappe. Toi, tu plasma. Et toi, tu restaures les PV avec des herbes pour le monsieur. Ok, allez, on y va à fond. Apocalypse, Météore, Plasma et Boreas. Ah bah voilà, d'accord, ok. Bon bah très bien. Très bien, ça c'est bien pour Vlad. Garrett, niveau 33, bah oui, très bien. Et Ivan n'a pas pris de niveau, ok. Oh! Qu'est-ce que je fais couché par terre? Bah vous étiez transformé en dragon. Je me souviens, nous étions sur le point d'allumer le phare. Mais le phare était gelé et le chemin menant au sommet était introuvable. Nous devons nous hâter, sinon Prox sera perdu. C'est inutile, je suis à bout de force, je ne tiens plus sur mes jambes. Pourquoi est-ce que je grelotte? Le clan de Mars est censé être immunisé contre le froid. Moi aussi j'ai froid, Karstine. Je crois que notre fin a sonné. Je le sens à présent. Mon sang se glace et mon âme m'abandonne. Un instant, je crois me souvenir. L'œil, il nous a dit que nous manquions de volonté. L'œil? Je m'en souviens, son regard pénétrant, il nous a plongé dans le noir. Exact, je me souviens m'être battu contre Pavel. Moi aussi, était-ce un rêve? Une illusion? Pavel, c'est toi? Ouais. Incroyable, tout espoir n'est donc pas perdu. Pavel, tu dois poursuivre notre quête, je t'en conjure, tu dois allumer le phare. Nous sommes à bout de force, allume le phare pour nous, je t'en supplie. Tu auras besoin de l'étoile de Mars, la voici, prends-la. Fais vite, si je vois le phare briller, ma mort aura alors eu un sens. Nous comptons sur toi. Ouais. Vous, détenteur de l'étoile, écoutez avec votre cœur. Pour atteindre les cieux, donnez-moi votre étoile. Il n'y avait pas déjà une autre statue qui nous avait demandé la même chose? Tiens. Je te donne l'étoile. C'est qui l'a l'étoile d'ailleurs? C'est Pavel? Non? Bah. Elle est où l'étoile? Bah. Qui c'est qui a pris l'étoile de Mars? Je suis pas fou. Elle est où l'étoile de Mars? What the fuck, elle est où? Bah non, Pavel il a pas l'étoile sur lui. Lui il est fou donc c'est pas lui. Là il n'y a pas d'étoile de Mars non plus. Et là non plus. Bah elle est où? Nani? Allume vite le phare, ouais. Je veux bien mais. Bah je suis pas fou, il n'y a pas l'étoile de Mars dans mon inventaire. J'ai pas regardé qui c'est qu'il avait prise mais.
On est bien d'accord, je suis pas fou. Bah non, pareil, il a pas les... Ah non, le classismique, ouais, non, d'accord, non, c'est pas l'étoile de Mars. Sac de Mithril contient l'étoile de Mars. Voilà, voilà, voilà. Ah, ça ressemble plus à un phare de Mars, effectivement. Bon, ben j'imagine que moi, je manque pas de volonté. Très bien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter cet épisode. Du coup, dans le prochain, on continuera l'exploration du phare de Mars jusqu'à récupérer l'autre djinn c'était un djinn de Mars, je crois, qui me manque. Et puis ensuite, on partira papillonner un petit peu dans les quêtes Alex. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un max de pouces bleus. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut tout le monde.